Lundi 18 avril 2022, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont fait face à une terrible tragédie avec la perte de leur fils à la naissance, seule sa jumelle ayant survécu. Un véritable drame pour l'attaquant à Manchester United et sa compagne. Le lendemain, le joueur de 37 ans était forcément absent du match de son équipe face à Liverpool. Lors de cet événement, tout le stade lui a rendu hommage à travers des applaudissements. Une belle attention qui a beaucoup touché Cristiano Ronaldo. Jeudi 21 avril, il a tenu à donner de ses nouvelles à ses supporters à travers une publication Instagram. Le Portugais a partagé une photo en compagnie de sa compagne et de ses enfants. En légende du cliché où il tient sa fille dans les bras, il a écrit « Home sweet home ». Gio et notre petite fille sont finalement avec nous. Nous souhaitons remercier tout le monde pour vos gentils mots et vos gentils gestes. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l'amour et le respect que vous avez pour notre famille. Cristiano Ronaldo devrait participer au prochain match de Manchester United malgré la douleur de la perte de son fils. Cristiano Ronaldo voudrait aller de l'avant et aurait repris le chemin de l'entraînement. Son entraîneur, Ralf Rangnick, s'est exprimé lors d'une conférence de presse le vendredi 22 avril. Cristiano Ronaldo est de nouveau disponible, il s'est entraîné avec nous, a-t-il confirmé. Le footballeur devrait jouer le match important de Manchester United face à Arsenal le samedi 23 avril. Un retour qui pourrait être particulièrement émouvant pour le père de famille qui réapparaîtra pour la première fois en public depuis la perte de son fils. Nul doute que ses supporters seront au rendez-vous pour lui rendre une nouvelle fois hommage. Loading widget.